Nelson Yanzila, Coco y Azuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Mama mana este bobatelama, bobatelama nanzame o. Shaba motema pasie bana buna kana e sambe alola abate la bino sambe ostandima beta 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 matusa beta matusa e e fartese l'équipe makasi la police nationale mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Jene Jene Patriotic Ah Kembo Ah Kembo Toma Landa Akongo Mongali Kanisa kazoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makazoto Nana lelio bolingo ya papa e Papa Batela zoto e Yango eza litepelo ya molimo Molimo monsantu e Sanjoli ezonga na yo zakoma na toli okoto na zakoma ye 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 yo yo oh bache bitu vya kusikiliza sikiliza bu maneno OM23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana hapana make ile ni faux et archi faux ni batu benye bako na maintere zabo zabo zenye hauwezi jua unezi kuko mwile mouvement leurs intérêts zinapitaka à côté na hautabijuaka japo uko pale wakati viti na inakuwa wakati risasi inalia anava me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka alors batu waache kusikiliza sikiliza na kusikia kama bako nafanya nini M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana. Hapana manaki. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku ima sensibilisation juu ba jeune ba batoke yako. Baendelee kuifanya na mwatakuwa nakuya. Vile walitukaribisha njoo vile bakwenda karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wei, kama ulikuwa na shaka kwa movement, est-ce que uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekuambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23 nimekuambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya Afdel wakati ya RCD. RCD na CNDP habakuni kama taka banitie fasi kwenye bon kuko bimwa bilikuwa siwezi jua maybe mingi nilikuwa nabiona na macho yangu
Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu nilipitana naenda Bwiza, Bwiza bakanitumana kwa masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifikaka pale balimu ba, balinifundisha haiko balimu ba kongomani. Hapana. Mi force nilikuwa kinatoka Rwanda. Balikuwa balimu ba natoka Rwanda njoo balikuwa bananifundisha. Kuishi na watu sana nishajua différencier même tonalité ya mtu mwanezi huyu iko nasema hii Kinyarwanda haiko ya hapa. Na huyu iko nasema Kinyarwanda, Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo oui. Mtu ambaye instructeur mwalikuwa anifundisha mu tactique parce que tulikuwa na makuru wa tactique. Balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema. Alikuwa sergeant. Na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndiye alikuwa anapana kuru ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur. Est-ce que mu terrain wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio troupe ya RDF iko. Iko sana, sana. Banapatikana kandani sana. Na hapo njoo banapana maranfor. Unaweza kutupatia utueleze bana utueleze nafasi fulani ilikuwa hivi troupe ya Rwanda ikakuja ikafanya hivi majina zao nakumbuka za viongozi wakati nilikuwa chance kwanza kufuku ile formation kuko umwe batayon mbili nilijioniaka na macho yangu ziko nakuya balivuka na masila kama meme ziko sophistique nilizijioniaka na macho yangu jumie aku vita nilipigana kako tu depuis mimi naingia mu M23 ni hii ya kichanga ya la fois passé hapana hii ya juzi juzi pale tulikuwa pamoja nabo balikuyaka omwe compagnie muzima balikuwa bako pale balikuyaka tusaidia mu vita. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises? Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel? Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 00 07 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B, route Kipopo, Tchamalalé, à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous attendez déjà. Désolé pour les petits retards. Que nous avons connu dans cette émission, puisque, comme vous pouvez le constater ici, nous sommes, il était question pour nous de nous rassurer que nous allons avoir notre correspondant envoyé spécial sur place au tribunal de Paris pour un peu nous faire vivre ce qui s'est passé aujourd'hui. Sûrement, il y a eu procès. Sûrement, Charles Onana pourra être condamné demain et nous allons tout savoir aujourd'hui avec notre correspondant sur place,
aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et de révélations que vous allez suivre tout à l'heure sur notre chaîne avec notre correspondant distingué Kayembe, que nous avons dépêché sur place à Paris pour aider les Congolais à comprendre comment ce procès se passe et quelle sera l'implication ou la part de la RDC dans ce procès. Dans cette émission, après Paris, nous allons vous ramener en RDC où nous allons vous faire vivre encore cette ambiance au niveau de la politique congolaise. Moïse Katumbi a parlé sur base de tout ce qui lui est reproché, tout ce qu'on parle de lui, que ça soit en bien tout comme en mal, mais sa réponse est plus orientée vers Félix Tshisekedi, et c'est comme ça que nous l'avons titré. Moïse Katumbi répond à Félix Tshisekedi. Vous allez voir quelle est la réponse de Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Rappelez-vous, ces derniers temps, on parle de la révision constitutionnelle, on parle de l'aérodrome de Molondé, on parle de beaucoup de choses là qu'on reproche à Moïse Katumbi, manipulation de discours de haine, manipulation de la jeunesse katangaise, beaucoup, beaucoup de choses. Moïse Katumbi a parlé et il a répondu à au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons voir phrase par phrase, mot à mot. Vous savez que c'est notre domaine. Il y a quoi analyser, domaine Nyon Suyamouké, puisque tous les mots en politique, tout mot compte. Alors, merci beaucoup. Mais avant de commencer, avant de nous rendre à Paris, Toyeba, qu'est-ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui? Partagez l'émission. Vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer tout ce que nous vous préparons chaque jour dans cette émission. Alors, s'abonner, c'est juste un clic, et devenir notre partenaire, c'est juste deux autres clics. Donc, à côté de s'abonner, il y a « rejoindre » ou « join » en France, en anglais, et vous allez rejoindre notre famille. Et à ceux qui sont déjà là comme partenaires, comme membres de la famille HK Today, je vous remercie sincèrement. Je salue tout le monde. Vous qui apparaissez sur mon écran en vert, vous êtes mes partenaires du cœur. Je vous salue et vous remercie sincèrement de votre présence chaque jour dans cette émission. Alors, nous allons commencer, chers amis, mais avec peut-être deux bonnes nouvelles. Soripe Moninga à Zui, Kosepela, il faut Tosepela, puisque on ne vit qu'une seule fois et il faut en profiter. Je pense qu'avec toute la famille entière, souhaitons un joyeux anniversaire à un membre de HK Today qui s'appelle Kapi Mandegodelive, qui fête ses 50 ans. Vive les 50 ans, ça se fête, ça se célèbre et nous sommes très heureux de lui souhaiter, moi, commentaire, hein, Godelive, Motamaïla, Mototuna, Monoronaïe, Yambokanaïe, bah, Russe, bah, vous souhaitez, yo, bon anniversaire, na Russe, bah, anglais, na anglais, bah, na Chilou, bah, bisot, dile, dibo, dilem. Alors, c'est ça. Motamaïla, mo, joyeux anniversaire, dile, dibo, dimpe, capiment des gouttes. Joyeux anniversaire! Alors, joyeux anniversaire à vous, que votre, c'est les 12 ici, les samedis, qu'elle va fêter ses 50 ans. Joyeux anniversaire. Et puis, Tikala, Molandi Nabiso, il y a Mikolonyoso, nous sommes ensemble, c'est la famille qui grandit et qui gagne. Toujours les mêmes samedis ici, les mêmes samedis, je voudrais présenter aussi ce que font les Congolais à travers le monde. Ici, les samedis, je voudrais bien demander à tous les Congolais qui vivent dans l'état de... un moment, je vous donne... Je voudrais bien vous donner la précision ici. Tous les Congolais qui vivent dans l'état de... Kentucky, je pense. Vous avez cette affiche sur l'écran. Est-ce que je peux lire ça pour vous? C'est en anglais, mais na interprétant na lingala ou bien en français.
Natali Sarabino, misala ba Congolais bazo sala na Afrique, na sima ya ba ONG, na sima ya ba structure ya ndenge na ndenge ba salaka. Ici, il y a une grande structure. Bon, talaka déjà, je pense que vous avez déjà suivi sur notre chaîne une cérémonie, il y a une école qui a donné de machines à coudre qui forment de jeunes filles et jeunes mamans, des femmes veuves, des jeunes filles victimes peut-être des viols et tout ça. Il y a une structure qu'on appelle Motema Ministries qui organise à tout moment moi dîner, moi réception. Nakata dîner wana bazo zoa quelques donations et puis lisongi oyazana sapato aye na ngwa pesi oyazana liputa ko pesa bana ya kolali sa ba maman a pesi. Et ce sont les Congolais qui font ça pour ceux qui sont restés en Afrique. Il y a encore pour fêter leur 14e anniversaire, ils le font chaque année. Au moment on a malili bazo tamba bazo te kamikate pour que derrière mikate ba récupérer moi là basali ça ba Congolais nga na za témoin na kendati na Kinshasa na kendati place bazo ça ça dit quoi. J'ai vu qu'il y a des gens qui pensent vraiment à la RDC. Alors donc pour ce programme ici c'est samedi dîner wana ba bengi yango c'est une nuit comme la cuisine Night of Congolese Cuisine, Music and Fashion. Donc, c'est vraiment une grande activité. Tous les Congolais sont invités à participer. C'est la RDC d'abord qui gagne, puisque tout le monde est mindele, nenge, baton na kaolobi, mais ils aient mindele, tout ils aient batumwin. Mais au côté de la bonne carte, on a Congolais azate. Congolais tous sont gagnants. Je vous donne l'adresse. L'adresse est là. Si vous ne voyez pas, na longola, na no. Ah non, bon, en fait, je peux vous donner ça. Alors, l'adresse, le programme, c'est, il y a les dîners, il y a les fashion shows, il y a the music, Congolese music. Alors, il y a, ça se passe les 12, vous pouvez voir, October 12, 2024, et Kobanda, des 5h du soir à 7h du soir, donc des 17h à 19h. Alors, l'adresse est là. L'adresse est là, Ezali, West Jackson Baptized Church, 580, donc 580 Oyuel Road, Jackson, Tennessee, TNC, ça doit être Tennessee. Je pense que vous qui êtes déjà bien connectés, vous pouvez avoir une idée sur ça. Réservez la table for only. $250. Donc, tous les détails sont là. Vous pouvez réserver la table pour 8 personnes, je pense bien. Pour 8, donc, pour tickets and questions, vous pouvez appeler à ce numéro-là en bas, adresse email est en bas. Je vous laisse un peu ça ici pour que vous ayez la capture, vous ayez la photo, vous ayez la nango et vous appelez les numéros. Les numéros sont là, adresse email est là. Vous pouvez aller sur Facebook, find us on Facebook, Motema Ministries, et Zawana. Alors, donc, tout est là, c'est clair. Merci beaucoup. Ticket, c'est à $35. Vous pouvez voir, $35, puisqu'il y a des merveilles que vous ne pourrez pas manquer. Golingate, babetelo li solo. Caméra nabisue, gozalawana, donc on a accepté une image que les Congolais, batiki moka na bangote, ils les aident. Et puis, bamitikite, dans les pays, dans tous les états où ils se retrouvent, Bakouta Narapé, Bassal Ramakamba bien. Chers amis, rendons-nous à Paris. À Paris, c'est pour procès Charles Onana, Ezo Tungsebiso Nyonso. Procès Charles Onana est un procès qui casse, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, nous allons retrouver Bisengué Kayembe, notre envoyé spécial au tribunal de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Distingué Jean-Paul Kayembe, bonjour. Et vous avez la parole. Dites-nous, aujourd'hui, l'avant-dernier jour, demain, Charles Onana peut-être sera condamné ou il sera innocenté. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
Bonsoir à tout le monde. Merci, Honoré, pour la parole et merci beaucoup pour l'attention que vous accordez aux événements de Paris. Toutes nos excuses pour le retard. Vous savez qu'en pareille circonstance, le journaliste ne doit pas rester au même endroit. J'étais en train de changer d'hôtel. S'il n'y a pas suffisamment de lumière, je suis dans un bel hôtel, mais seulement, je n'ai pas ma lumière qu'il faut. Je courais pour me sécuriser. Ah oui, je sais qu'HK Today est fort. C'est pourquoi vous n'êtes pas dans quelque chose net à côté. On comprend ça, allez-y. Alors, j'ai couru pour ça, c'est pourquoi j'ai pris du retard. Effectivement, demain, ce sera la dernière journée ou le dernier jour du procès Charles Onana, à moins que la composition ou la cour puisse remettre ça à un autre jour. Qu'est-ce qui va se passer demain? Effectivement, l'avocat de Charles Onana, que voici, que vous êtes en train de regarder, Maître Emmanuel Pire, a pu nous expliquer le scénario, ce qui arrivera demain. Si on peut le laisser parler. Ok, on le laisse parler. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que notre réalisateur est prêt? Est-ce que c'est prêt? Vous appelle et vous savez que vous êtes avocat de Charles Onana. Oui, Emmanuel Pire, le barreau de Paris. Maître, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez... Maître, merci de nous dire comment on vous appelle et nous savons que vous êtes avocat de Charles Onana. Oui, Emmanuel Pierre, le barreau de Paris. Maître, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à nous dire comme procédure qui reste à faire? Vous avez plaidé, pardon, vous avez ramené des témoins, la partie civile a ramené aussi les siens depuis 3 jours. Demain, ce sera la dernière séance. Comment ça va se passer concrètement, techniquement? Concrètement, demain matin, on termine l'audition des témoins. Demain après-midi, il y aura un tout dernier témoin des parties civiles. Puis des prises de parole d'associations, de présidents d'associations, de représentants d'associations. Ensuite, les plaidoiries de mes confrères qui sont pour les parties civiles, qui sont les parties poursuivantes. Ensuite, le procureur pourra prendre ses réquisitions. Pour l'instant, on ne sait pas s'il choisira de requérir ou non et dans quel sens, puisque ce n'est pas lui qui est partie poursuivante. Et ensuite, moi-même et mon confrère pour l'éditeur, nous aurons la parole en dernier. Aujourd'hui, satisfait de tout ce que vous avez ramené comme témoin dans l'affaire? C'est une journée très intéressante. Il y a eu beaucoup de témoignages sur ce qui se passe au Rwanda, sur ce qui se passait à l'époque, avec beaucoup de points de vue différents. Je pense que ça a vraiment pu éclairer le tribunal sur la réalité de la situation au Rwanda. La quête, on peut dire, c'est la quête d'une jurisprudence des deux côtés. Vous cherchez la vôtre pour probablement rebondir sur une révision constitutionnelle, des arrêts, pardon, des décisions. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Vous avez raison de ne pas y répondre. Et un dernier mot pour notre public, c'est HK Today Télévision qui suit avec toute son attention le déroulement de ce procès. Un mot. L'audience est très paisible. On a un président qui connaît son dossier, qui mène très très bien les débats. Donc malgré le caractère passionné de part et d'autre, pour l'instant c'est une bonne justice sur la forme, sur la procédure, tout se passe très bien. Merci Maître. Alors vous venez de suivre l'avocat de Charles Onana, que nous avons eu l'occasion plutôt de rencontrer et on aura le temps de le prendre en long en large pour discuter avec lui de ce problème, mais à côté on a discuté, on comprend beaucoup de choses. Le procès Charles Onana est un procès qui fait appel à beaucoup de choses. Il y a entre autres des questions juridiques, il y a des questions anthropologiques, parce qu'on parle de Tutsi, on parle des Hutus, on parle des Tois. Donc, c'est toutes les matières scientifiques qui viennent. Mais aujourd'hui, avant que je puisse continuer encore à raconter un peu des témoignages, des gros témoignages qui sont venus parce qu'il y a des gros calibres qui se sont prononcés. Je voudrais qu'on laisse également un Congolais qui, d'ici, est aussi avocat au barreau de Paris. Et il nous explique aussi si son élément est prêt, on peut nous les balancer. S'il n'est pas prêt, on peut avancer. Vous venez d'assister au procès Charles Onana contre les... La Ligue des droits internationaux des droits de l'homme, IFTH, oui, c'est sur l'affaire Livre ou ce qu'on appelle désormais, qu'on considère plutôt, on se peut des négationnistes sur l'affaire génocide rwandais ou génocide des Tutsis. Et particulièrement, sans parler de vos impressions, mais parlons procédure, comment ça va se passer parce que demain, c'est le dernier jour de cette audience. De ce procès, pardon.
Quand on est devant un tribunal correctionnel, il y a la partie relative à l'instruction juridictionnelle. Là, on écoute les témoins, ils déposent puisqu'ils ont trois obligations. L'obligation de comparaître, l'obligation de prêter serment et de déposer. Ils ont été cités à comparaître. Maintenant, ils vont éclairer les tribunaux. Et pendant l'instruction, les tribunaux posent des questions et ils répondent. Et ils font des dépositions. Après les témoignages, on passe aux plaidoiries. Et pendant les plaidoiries, on va d'abord écouter les avocats des parties civiles, puisque cette dernière exige réparation des préjudices subis causés par l'infraction qui a été commise. Et après les avocats de partie civile, on passe aux réquisitions du ministère public. Le ministère public va requérir l'application des peines. Parce qu'ici, on a, dans ce procès, il y a ministère public et partie civile contre les prévenus. Et le ministère public requiert l'application des peines. En revanche, la partie civile exige ou réclame réparation du préjudice subi. Parce qu'elle a été victime d'une infraction, et comme cette infraction a causé un préjudice, elle vient devant le tribunal pour que ce dernier sanctionne le délinquant par une condamnation à la réparation. Et en dernier lieu, prendra la parole la défense. Donc, on est prévenu. Et après quoi, le tribunal va se retirer pour prendre l'affaire en délibéré. Possible que ça se fasse demain déjà, à la clôture ? C'est possible. C'est possible. Merci. C'est moi. Alors, vous venez là de suivre. Vous avez un petit commentaire ? Vous n'avez pas un commentaire ? Je peux commenter ? Allez-y d'abord. Je vais poser les questions après. Les questions qui sont en train d'être posées par les Congolais, je vais vous les poser après. Allez-y. Vous avez vu comment j'ai fait recours à ces deux techniciens, un Congolais, praticien du droit, avocat de son État, et un Français qui est avocat de Charles Onana. Le problème est sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La Cour, comme tous les autres trois jours, a pu, je parle bien des autres deux jours précédents, parce qu'aujourd'hui, c'est en réalité le troisième où on auditionne des gens, a pu écouter encore plusieurs témoignages. Et ces témoignages, ils sont plus du côté de Charles Onana. Pourquoi? Parce que, quoi qu'accusé, mais scientifique de son état, Charles Onana a conjugué beaucoup d'efforts. Pas seulement qu'il a étendu, il a étalé son intelligence dans 668 pages de son dernier, son livre qu'on a mentionné, mais dans d'autres livres aussi. Et il a fait recours aux sources et à de puissantes ressources qu'il a ramenées. Des généraux en parler aujourd'hui. Je voudrais vous donner un exemple, par exemple, je voudrais vous donner un exemple du général Didier Tauzin. Le général Didier Tauzin a pu intervenir. Nous avons aujourd'hui le général Abiarimana. Le général Didier Tauzin, pour la précision, il a amené les 67 parachutistes qui ont fait la descente de Kigali. Qu'est-ce qu'il dit? Ils avaient repéré Kagame, ils l'ont bloqué, ils ont arrêté. Et quand ils ont voulu l'envoyer en Ouganda, d'où il revenait, ou le renvoyer vers... c'était un rebelle. Quand il a approché, au lieu, cette fois-là, qu'on leur autorise que Kagame soit ramené, et l'Élysée s'est opposé. Vous voyez qu'il y a un problème, déjà un problème politique. C'est lui donc. C'est lui dont vous parlez ? Non, ce n'est pas lui, mais c'est lui, si c'était le colonel qui était à la Minoire. Ça, c'est Luc Marshall, pardon, qui était à la Minoire. Lui, c'est un autre. Mais par contre, j'étais en train de dire que le général démontre que si on les avait laissés terminer l'histoire de Kagame, on n'en serait pas arrivé là. Déjà, il y a un problème politique au niveau de la France elle-même. Nous ne sommes pas que le Congo qui sont préoccupés, mais au niveau politique français, il y a des reproches qui sont faites à la France pour avoir
entre guillemets, contribuer ou abandonner ou laisser faire, ainsi de suite. Mais le général démontre qu'il a reçu des ordres clairs du politique ou de l'état-major, je ne sais pas, mais lui demandant de freiner. En bon militaire, ils n'ont pas pu, ils ont pu sauver ce qu'il fallait sauver, ils n'ont pas pu faire ce que lui avait demandé. Ça, c'est un témoignage. Mais il y a un autre du général Abiyarimana. Avant de passer à ça, c'est sur ces points précis ou ces propos du général que les Rwandais s'accrochent à la France en disant que la France est coupable dans ces génocides pour avoir laissé les Hutus tuer les Tutsis en leur présence. Maintenant, le général, à son avis, il trouve aussi qu'il a trouvé tout ce qui est massacre ou problème. Déjà, il y avait un terrain préparé. Pourquoi? Parce que le FPR de Kagame consiste toujours d'avoir exécuté autant des Hutus. Aujourd'hui, quelqu'un disait quelque chose. Je suis humain, même si je suis journaliste, même si j'ai couvert des procès, même si j'étais au front. Mais quand quelqu'un vous dit qu'on a exécuté 800 personnes, et il arrive, on le dit, 118 familles. Ah, monsieur le préfet, je viens d'exécuter les 118 familles dont vous avez parlé. Ça veut dire hommes, femmes et enfants. 118 familles comme ça, ils ont été exécutés. C'est pour dire que déjà, les Français eux-mêmes qui sont allés dans l'opération turquoise ont pu le remarquer. Ils ont des preuves, ils ont écrit des ouvrages. Voilà les témoins de Charles Onana. Contrairement aux témoins de la défense qui sont un avocat que j'ai vu, j'ai oublié le nom, mais je ne l'ai pas retenu. Ça doit être un Rwandais parce qu'il est avocat conseil de l'association des Rwandais, de l'association des Rwandais de la France, et il est avec la partie, il fait partie de la partie civile qui attaque Charles Onana. Vous voyez que eux, ils font que poser des questions aux invités, à ceux qui viennent avec des ouvrages techniques écrits démontrant le contraire, tout le contraire qu'ils disent, mais ils n'ont pas pu en vrai, à mon avis. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, le général Abiyarimana et les autres qui sont venus aujourd'hui ont demandé « Prouvez-nous, ne fût-ce qu'un seul extrait du livre d'Onana qui dit qu'il n'y a pas eu génocide au Rwanda pour qu'il y ait contestation. » Ça, sincèrement, ça n'a pas été prouvé par la partie qui accuse Onana. Mais contrairement à eux, la partie de Onana apporte chaque jour. Nous avons eu, malheureusement, aujourd'hui, à mon avis, un avocat qui se dit belge, je n'ai pas retenu son nom, français ou belge, non, je crois un français ou un belge, j'ai oublié la nationalité, ce n'est pas important, mais qui était l'avocat ou qui a conseillé l'association qu'on appelle Ibuka, qui a un peu une sorte, qui n'est pas juste dans les mots, qui traite mal l'info, qui provoque les autres, qui attise la haine tribale selon les témoignages des gens. Ce monsieur est venu pour témoigner du côté de la partie civile. Mais quand il commence à témoigner, les avocats de Charles Onana lui demandent « Mais toi, tu n'es pas... Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu es allé au Rwanda ?» Depuis 89, je crois, il est au Rwanda, il a ses relations, il fait son business, il vend ceci, il vend cela. Et qu'on sort comment cette source proche de Kagame, comme toujours, entre guillemets, on le sait bien, peut donner une position qui puisse contredire Kagame, pardon, quand on sait qu'il y a une certaine acquaintance ou quand on connaît comment la personne agit. Alors, je voudrais aussi rappeler que nous avons eu d'autres témoins qui sont venus démontrer, par exemple, que le président Kagame, tout ce temps, n'a fait que cibler les opposants et effacer toutes les traces. Et ça va pas seulement dans son pays, mais au-delà de son pays. Et la personne disait quelque chose qui est étonnant. Il dit, tout ce qui est droit de l'homme au Rwanda, ça ferme la bouche. La preuve, demandez à toutes les ONG. Et j'ai demandé à toutes les organisations et les associations de défense des droits humains. Alors ça m'a tiqué un peu. Je me dis, pourquoi ces associations qui viennent défendre une cause, elles, plutôt, ne peuvent pas démentir, ne peuvent pas condamner la disparition des gens.
Vous apprenez en Afrique du Sud, que quelqu'un a été tué. L'Afrique du Sud a dit que c'est le Rwanda, c'est le président Kagame qui avait commandité cela. Vous apprenez à Nairobi la disparition de tel ancien premier ministre du Rwanda. Vous apprenez tout ça, des ONG, malheureusement, ces associations n'en parlent pas, mais elles parlent que de ce problème. Et il y a eu, par exemple, d'autres, comme le témoin Rutunga, je crois, qui a pu aussi amener ses preuves. Et les avocats qui accusent Onana ou des associations qui accusent Charles Onana ont pu demander à ces gens, est-ce que vous dites la même chose que Onana? Ce qui est étonnant, c'est que tous ces témoins, je vous dis bien, des témoins comme des généraux, des colonels, pour la plupart, des militaires, des chefs de missions diplomatiques comme celle de la Minoire, ils sont venus disant que il y a eu pas que le silence coupable, mais il y a une sorte de complicité, à cause justement des richesses de la RDC, citant même la Grande-Bretagne, les États-Unis. Là, ça tombe bien. Oui, justement, les grandes puissances, pour dire que tout le problème, alors quand il était en train de dire ça, je me suis dit, si c'est cela, c'est justement, c'est que on en est en train de dire que le problème du génocide rwandais, ça c'est l'esprit de tous les propos qu'on raconte dans ce live, c'est beaucoup de chercheurs, la théorie de la balkanisation de la RDC, on se rend compte que tout ce qui se fait selon ce qui se dit, sans contredire les décisions des juridictions internationales, que ce soit le TPIR ou les autres, tout ce qui s'est fait prouve à suffisance que c'est à cause des richesses de la RDC qu'il y a eu un plan où des choses y sont passées, mais on s'est servi où on est passé par la haine entre les tribus, dont celle qui était supposée très élevée, celle de Tutsi, selon les propos que nous avons entendus, et qui, dans le temps, dominaient les Hutus. Et ils étaient minoritaires. Par après, les Hutus ont repris aussi avec la Birmanie, avec toute la dictature que ça a suivi. Mais après, quand ils sont passés par la guerre avec le soutien de l'Ouganda et des autres, ils ont pu adhérer à une théorie où ils ont fait une sorte de chantage à la France. Et les Occidentaux, qui envient beaucoup, selon les propos de ceux que nous avons entendus aujourd'hui, qui envient beaucoup la région du Kivu, les deux Kivu. Et ils ont pu profiter pour continuer à piller. Et le général là, disait que c'est une région extrêmement riche. Les deux qui vous êtes extrêmement riches dans tout le monde. Et quand il disait ça, c'était... Je me regardais, je me disais, c'est mon pays ou un autre? Ah oui, hein, on parlait de votre pays. Mais c'est mon pays, mais ça se discute en France. Ça se dit en France. Est-ce que les Congolais savent qu'ils ont le pays le plus envié du monde? Alors, maintenant, après toutes les discussions, est-ce que vous pensez que ces juges-là vont humilier la France, puisque la France a classé tous les dossiers concernant les Rwandais contre la France, classés sans suite? Et les Rwandais ont été innocentés, blanchis dans tous ces procès-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils seront en mesure de dire à la partie, disons, à Charles Onana, que toi, tu as... Non, à la France, toi, tu as tort, Charles Onana a raison, ou vous pensez que la politique pourra aussi, et toujours comme d'habitude, peser sur les verdicts? Aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose qui est beau. Je suis journaliste, c'est vrai, je n'ai pas droit au sentiment en public, dans le sens que je ne vais pas innocenter tel ou condamner tel, mais je veux vous donner mon sentiment quand même, parce que je suis Congolais. J'ai remarqué que le dossier, la première des choses que les Congolais doivent retenir, la question de Charles Onana contre les pro-Rwandais ou les Rwandais, c'est une question qui préoccupe même les lycéens. J'ai vu mes enfants du lycée qui sont venus, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, nous avons profité du procès pour faire
un travail de l'école qui se nomme un exposé d'éducation morale et civique. Mais j'ai vu des avocats stagiaires qui sont venus aussi apprendre, ils disent, mais c'est trop riche et compliqué. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est pour dire, la question suscite beaucoup d'intérêt et particulièrement, comme vous parlez de l'indépendance du juge, la première chose que je retiens de mes discussions avec les Français d'ici, qui y étaient présents, la première chose, c'est le principe en France. Le principe d'indépendance du juge, c'est le socle même du droit français. Ça, c'est quelque chose d'abord en premier qui est bon. Ça veut dire qu'un juge français est indépendant. Et c'est le principe à l'international. Tout juge est supposé indépendant ou doit être indépendant. C'est ça le terme que je devrais utiliser. Maintenant, même les Français eux-mêmes, au regard de tout ça et de toutes ces influences, c'est Mitterrand qui aurait fait, c'est Mitterrand qui n'aurait pas fait, c'est la politique, Mélenchon, quand il profite, il prend, fait cause pour la RDC. Les autres aussi, quand ils prennent, ils défendent le Rwanda. Tout ça, ça se voit bien clair qu'il y a des problèmes d'intérêt politique. Maintenant, la juge que nous avons vue, madame présidente de la Cour correctionnelle, la 17e chambre correctionnelle, je disais, du tribunal de Paris, elle nous inspire confiance. Mais seulement, nous ne pouvons pas examiner quel est son degré et son niveau de détermination à ne pas subir une quelconque influence politique. Mais vous savez bien que la politique a sa force à laquelle beaucoup de gens ne résistent pas. C'est comme ça que je me dis, je ne critiquerai pas la justice sans avoir eu un soupçon quelconque, mais analysons ensemble. Le président Macron, quand il parle de Paul Kagame, il dit « cher ami Paul Kagame, cher ami », ainsi de suite. Mais vous avez vu, notre président n'a pas aimé certaines choses, il est parti à Nantes pour se faire respecter. On ne peut pas venir chez vous, tuer votre femme, tuer vos enfants, votre présence, et vous appeler ami, vous rigoler. Ça, c'est une attitude que les Congolais de tous bords considèrent comme un acte de responsabilité du président Tshisekedi. Maintenant, ici, avec tout ce qui se fait, est-ce que nous sommes sûrs? Est-ce que nous sommes sûrs que la Cour donnera-t-elle raison à Charles Onana? Ça, je ne sais pas lui dire aujourd'hui. Mais aussi, disons-le, est-ce que la justice pourra condamner facilement Charles Onana? La guerre politique est derrière, mais c'est aussi difficile. Seulement, le seul bémol que je peux apporter, c'est que tout se passe autour de la loi sur la presse. C'est le problème de la liberté de la presse. Malgré qu'il est libre, mais pourquoi il a dit ça, il est tombé dans la négationnisme. C'est un élément important, ça va être pris en compte. Oui. Les journalistes sont libres quand même, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qui est important pour Charles, et ce qui fait même la fierté, à notre avis, disons-le clairement, ce scientifique a porté du début à la fin des preuves. Dans un livre de 668 pages, les extraits qui ont été soutirés, les 19 ou les 20 paragraphes soutirés pour analyser et lui faire porter le chapeau du négationniste, n'ont pas en vrai des phrases qui disent qu'il n'y a pas eu génocide. Même quand on lui demande de dire qu'est-ce qu'il pense, quelle est son impression, il dit « je vous donne mon impression, il y a eu génocide, mais pas que de Tutsi. » Mais de toi, des Hutus, de toi, on dit même, ils ont presque été exterminés tous. Vous voyez, c'est un peu, c'est pour dire qu'il y a eu un sérieux problème. Maintenant que Charles Onana apporte tout ça, ça devrait, à mon avis, servir de repère pour les scientifiques aujourd'hui. Les scientifiques congolais pour qu'ils se lèvent, les scientifiques de partout, pour dire il n'y a pas que Charles Onana, il y a tous les généraux qui sont venus là, la majorité, ils ont publié sur ces opérations. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul Distingué-Kayembe.
pour ce point depuis Paris. Peut-être un dernier mot, nous allons vous laisser vous reposer pour être demain matin dans cette audience qui est le dernier virage que nous attendons demain. Alors, peut-être un dernier mot aujourd'hui et on vous retrouve demain. Nous nous apprêtons à affronter notre dernière journée au procès Charles Onana contre la FDH, la Ligue internationale, tout ça. J'ai dit tout ça pas pour minimiser, mais c'est long, les noms des gens ou la communauté rwandaise ou les pro-Kagame qui fustigent quelque chose. Nous allons préparer pour notre public les conclusions de notre observation. Demain, nous vous ferons, c'est vrai, le verdict. La composition se retirera pour examiner, étudier, venir prononcer son verdict. Mais après, nous, dès ce que nous avons observé à l'avantage de la RDC, nous allons vous préparer les blocs et les conclusions ou les résumés de ce que nous avons vu, senti, entendu, qui soit bénéfique pour le pays de Lumumba. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, distingué Kayembe, pour votre présence dans ce procès. On vous retrouve demain. Bonne soirée depuis Paris. Merci. Et à très bientôt. À demain. Merci. Alors, voilà. Chers amis, je pense que vous êtes quand même suffisamment informés par rapport à ce procès. Je peux, Ashka Today, que c'est tapé du poing sur la poitrine, que nous sommes les seuls. Les gens ont beaucoup crié ici. Hein. Et là-bas, on ne voit pas les caméras des Congolais, puisque tout tourne autour du Congo. Tout tourne autour du Congo. Charles Onana, pourquoi il a écrit, c'est tout ce qui tue. Il tue donc en RDC, il tue de l'autre côté. Et les Rwandais sont en train, ils sont en train d'aller les Hutus, mais sur les sols étrangers, là où ils font encore des exactions. Il les tue, il les viole, il les pille. Et tout ça, c'est autour de la RDC. Mais je n'ai pas vu une caméra là-bas. Et là, c'est bon. C'est ça. Au Congo, nous parlons beaucoup. Mais, agissement est amouké. Mais Bissot, nous parlons beaucoup. Et nous agissons aussi beaucoup. Preuve, nous avons dépêché notre correspondant, l'hôtel, restauration, transport, communication, tout pris en charge. Et c'est le Congo qui gagne tout simplement. La Saint-Rabino en Abisso, son Abisso. Nous sommes capables de vous faire un beau travail. Dengue Bomonaga, donc, chaîne Moutou Saliban, journaliste, là-bas, vous ne savez pas comment il peut être là. Puisque, Akiyine Kokoma, et toute une semaine, l'hôtel, la restauration, les transports, la communication, tout, c'est pris en charge par votre média. Mais pour le Sonabiso, c'est tout un problème. Mais bon, il n'y a pas de problème. La justice de Dieu. Yana, merci à ceux qui nous soutiennent dans ce travail que nous faisons pour la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, je vais Tokota Basolo Mopé, RDC Zaibele. Basolo RDC Zaibele. Donc, aussi, ça, avec Paris Lobby, nettoyer vos dossiers, vous soutenez Nazo, sauter au courant de la semaine. Les dossiers à l'élo, d'abord, j'annonce que l'été Chai Ti Oyo et Komina Sulkim Bana Ovira Bana Kamanyola Bana ya Fizi Bana Baraka Bana ya Binotu Oyo Yebike Abelaka Sukali Nazoto qui a un problème du sucre dans son corps. Les numéros pour les Sulkivu basés à Bukavu, c'est 089 160 61 06. Les numéros vont passer encore en dernier dans les cas. 089 160 61 06 pour les Sud Kivu. Et les distributeurs Oyo Nan Bozui, vous avez manifesté votre volonté. Rappelez-nous, ceux qui t'ont rappelé, rappelez-nous, peut-être que vous avez besoin de vous, vous avez besoin de produits et puis vous avez besoin de business. Vous nous donnez vos numéros, vous annoncez en haut pour vous aider à contacter
tous nos frères et sœurs au Bazan Zinganzinganabino qui ont besoin de la colonne à sucre, les qui est belé dans auto à partir des produits Oyo et Zao. Donc, voilà un peu. C'est tout ce que je peux vous dire. Bah, distributeur à RDC, produit est sur place. Bah, il semble que votre stock est arrivé. Stock à États-Unis, c'est déjà, peut-être arrive dans deux jours, trois jours. Stock à Canada, c'est en cours de route. Oh, monsieur, c'est à Canada. Bah, contactez, on a noté, il faut au Benga. Comme ça, peut-être, bah, Bossani au routine de leur produit. Donc, tout est bon. Si vous avez des questions, je fais les ponts entre, bah, Nekonanga, bah, Zolanda émission, Obama Melati. Je peux vous aider avec toutes les questions. Notre numéro est ici, devant Charles Onana. Autre longo la écran lobby, puisque tu as un verdict lobby. Lobby, c'est le dernier jour, tu aurais la vérité. Alors, ma solo, au niveau politique, est-ce que vous pensez à mon munition? Non, mon munition, tu sais. Chers amis, nous devons aborder le sujet Oyo, tout ce qui s'appelle. Le sujet Moussoussou, on va en parler peut-être progressivement c'est tout au long de la semaine. Alors, et là, il y a le bosso Moïse Katumbi Tshiapwe, un grand homme politique, Oya, Ensemble pour la République. Journaliste à Libana. Alors, ma groupe n'a pas eu de réponse à ma gamboise le canard RDC. Sur les histoires, toutes les questions qui se passent en RDC, babani na question à Liboso. Question à Liboso. Oyoki Félix Tshisekedi à Bengayo nakata interview moi à l'obi aux borderline. Quelle est votre réponse na Nengo Yokaki le Solowana? La réponse à Moïse Katumbi est que le président de la République a compris le thème à Mwalobi. Donc le président ne connaît pas les mots borderline. Donc Moïse Katumbi maîtrise bien ces mots. Nathalie Tinalobi, Seigneur, est-ce que c'est déjà ton retour que tu nous annonces ou bien. Nathalie Nalobi, est-ce que c'est déjà les retours annoncés? Moïse Katumbi dit que le président de la République a lobi biloko na lobi, mais a évité Mowana. Nakaina Mowana, na Moïse Katumbi, je suis constant. Lui, ce qu'il a dit, il ne comprend pas les mots. C'est ça les termes utilisés par Moïse Katumbi. Il ne comprend pas ce qu'il a dit. Moi, je suis constant. Alors, ce qui est en comprendre, il y a mon borderline, voilà. Ah, Patipe, Kourmoukabamo. Ah non. Alors, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose, pour, comme ça, tu comprends. Puisque va tout naïe, balobi, mais c'est comme un solon ou mon indé. Alobi. Martin Fayoulou. Bon, tu as un solon, mais. Martin Fayoulou, Aboya, Lobokonanga. Alors, bien, ça, salité. Nani Moïse Katumbi, Aza tantôt plutôt, borderline. Aza l'appelle le Boko Boybode. Donc, Nyoka, quoi. Et puis, Joseph Kabila, n'en parlons même pas. C'est le terme utilisé par Fatih. N'en parlons même pas, puisque Yende, AFC, c'est lui. Mokola AFC, là. Moïse Katumbi considère que le chef de l'État, a éviter le roi Bengi borderline. J'ai cherché, beaucoup qui nous fait un dictionnaire, Botala. Alors, quelque part, on me dit que ça veut dire personnalité. Non, un moment. Borderline. Se caractérise par une tendance constante à l'instabilité. Donc, dans les relations interprofessionnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi. Alors, quand on dit, tu sais qu'il dit qu'il y a ça tantôt plus tôt, j'ai vu Moïse Katumbi.
Maintenant, la compréhension de Bissot. Est-ce que tu sais que tu confirmes que Moïse Katumbi est instable sur les plans et à cause de l'opposition? Moi, personnellement, en tant qu'observateur, j'ai dit oui. Et si les exemples que moi je vais donner sont vrais, donc peut-être entre Tshisekedi qui a prononcé les mots et Moïse Katumbi, entre les deux, donc, il y a une personne qui ne comprend pas bien. Muto et Azoyo, comment on va bien être. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, entre eux, il y a le but que Moïse Katumbi a Zanyoka borderline. Non, il y a le but, moi, on a le but, et ça bien été, a yébi à voter. Nous sommes sur la compréhension des choses. Est-ce que Moïse Katumbi a Zanyoka Nyoka? Prenons des exemples. Exemple, Yeliboso, Moïse Katumbi a battu de campagne pour Martin Fayou. Cela veut dire que ma scellée alliance n'a pas mon Genève. Ah, on aurait, on a risqué notre Bible là, à Zango, pour que Toro Mati n'a souka. Alors que, réaction à Moïse Katumbi, réponse à Moïse Katumbi n'a fati, et ça, moulaï. L'herbe à Salis, alliance n'a pas mon Genève, les gens sont restés solides. Et du coup, Moïse Katumbi a annoncé la victoire de Martin Fayou. A commis au PSI, et les Martin Fayou, et les Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. Bah, se retrouver à Kinshasa. Pendant que Bazo se retrouvait à Kinshasa, Bazo Solana Martin Fayoulou, pour la décision, position Barozoa, Batala Moïse Katumbi na Tongo, il demande à Martin Fayoulou de rejoindre Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou a comme à lui. Qui t'a dit que okay, nos engagements sont Nengwana sans que tu consultes? Consultané. Donc, l'instabilité dans l'image de soi, na minute yo, exacte. Puisque c'est lui qui, oh, il y a pire na yo, a dit que tous ensemble. A mon yo, lobby na tongo, vous allez tous ensemble, te, na boutou, au signé, ma accord, vous soutenez avec Tshisekedi. Martin Fayoulou, a tombé à Tiki yo. A keye na zela na ye, yo keye kuna. Ok, Kuna. Et ça, quelques temps après, Boyokani gouvernement, tout, au côté du gouvernement, Bobandi Moussala. Moussala Bandi, interview, Moïse Katumbi, Bachelier, Mikro Alobi, Nenge Toza Boyna gouvernement. L'air de Rosala Bilan Asoka, Eza Yabisote. Eza Bilan Yabipes, nous ne sommes pas concernés. Oh, Batutu Batali Babi, oh, mais nous sommes ensemble, le gouvernement. Et ça, équipe. Ceux qui t'ont réussi, binope n'a qu'à ta équipe pour réussir. Ceux qui t'ont échoué, binope. Moïse Katumbi, bilan wana est arrêté. Oubliez ensemble la bilan wana. Même si nous sommes là, nous sommes sur Ngabango. Deuxième exemple, wana, Batoubafani Bobalobi. Bon, est-il avec nous ou il n'est pas avec nous? Est-ce que ça. Bon, ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, Moïse Katumbi vient ici, il vient aux États-Unis, il fait de lobbying, Naye Ndenga Salaka, et à Kinshasa, il faut changer l'équipe, Batonaye Balongwa. Balongwa, puisque il a décidé Kolongwa. Mais finalement, Aye Kolongwa, puisque les gens sont restés pendant un temps relativement long. Est-il de l'union sacrée? Oui ou non, il n'est pas de l'union sacrée. Moïse Katumbi a très longtemps fait sa réponse. Bozana union sacrée, Tozana union sacrée. Mais vous avez des ministres, les ministres sont partis sur base de nos accords, Nakata union sacrée. Et finalement, vous êtes où? Je vais me prononcer. Annoncer qu'on se prononçait, Nakata a se prononcé. Annoncer qu'on se prononçait, Nakinshasa a se prononcé. Jusqu'en dernière minute, dos au mur, il dit, je me retire et je prends mes ministres. Ma ministre, Moussous Malobite, nous, le travail que nous avons fait ici, alors, tout ça, les députés, ça n'a pas de déclaration. Tout ça, il y a ma position à dissoter ensemble, ni nous. Alors, nous avons compris que Moïse Katumbi était encore, je peux utiliser borderline. Tu es comment la période il y a élection.
la période d'élection. Alors, est-ce que, d'abord, avant de commencer la période d'élection, au Rwanda, Zosara Bisson Bitumba, tous les hommes politiques se sont prononcés. Nous, on attendait voir Moïse Katumbi dire « Rwanda, arrête, tu nous fais du mal chaque jour. Tu tues, tu violes, tu te condamnes, je condamne les Rwandais. » On lui pose la question sur l'agression rwandaise en RDC sur Bamedia et à Bangouane. La réponse est que je condamne cette agression du M23. C'est ça la réponse, allez-y voir. Je condamne cette réponse, non, cette agression du M23. Tout de suite, on a sa mission habité. Un groupe armé n'agresse pas. Il manque un nom que vous avez au sali. Borderline. Chers amis, Thiel et l'eau. Porte-parole et ensemble Abima. Quelle est votre position? Est-ce que les Rwandais, vous êtes convaincus, malgré toutes les preuves, Batenu, Bakanga, ils se rendent chaque jour. Toi, tu es où? Je suis du Rwanda. Et le porte-parole dit, le fait qu'il y a Koulata, maillot, il y a Messi, ça ne veut pas dire que c'est Messi. Vous devez l'arrêter, vous tirez la prison, puisqu'il y a Messi. Il n'a juste porté que l'uniforme, il y a Messi. Nous n'avons aucune preuve que les Rwandais est en RDC. Til et l'eau. Moi, je suis à la lettre toutes les déclarations de tous les hommes politiques. Est-ce que les Rwandais agressent en RDC? Allez poser cette question à Moïse Katumbi. Il va dire nous condamnons le M23. Les gens regrettent. Tu as combien de élections? Puisque jusque-là, tu as mis position. Borderline. Je n'ai pas encore conclu. Tu as combien de périodes d'élections? La période d'élection, les M23 condamnés une fois, soutient Babandi Kosa la campagne pour Moïse Katumbi. On s'est dit, oh, M23, mais c'est lui qui viole, non? Qui chiche plus de 300 personnes enterrées vives. Mais c'est les M23. Vous les soutenez? Bazo, c'est leur campagne. Ils sont des citoyens congolais. Ils peuvent me soutenir. Je n'ai pas à leur dire, ne me soutenez pas, ainsi de suite. Déclaration, Yann. Alors, maintenant, est-ce que si ces gens se permettent de défendre, de soutenir ma candidature, on aurait vas-y et on aurait sera élu député, tout ça. En retour, est-ce qu'il y a la société civile ou il y a ONG caritative? Est-ce qu'il y a des engagements? Quelle est votre relation, vous, avec les M23? Il faut trouver un dialogue, il faut dialoguer, il faut... Je serais d'être lié moi. Là, il y a quelques autres personnes qui pensent qu'on ne peut pas dialoguer avec les M23. Chers amis, je souhaite m'arrêter là avec deux exemples où il y a tous les Congolais se disent tantôt, plutôt. Soit plutôt, soit c'est tantôt. Est-ce que Tshisekedi avait compris son mot, borderline, ou c'est Katumbi Moïse qui a bien compris les mots borderline? Vous voulez que je vous donne 10 exemples? Est-il le lot, moi, honoré, dans ce cas-là, dans la position T, il y a parti ensemble. Alors, pour ne pas vous prendre trop de temps, la deuxième question, bah, initier, donc, Oyoki Masolo le lot, ils ont tourné autour, il y a révision et la constitution. Chers amis, je vais faire une émission spéciale. Si il y a révision et la constitution, c'est un trigame. Et on a volé chaque jour aussi. Révision, oui, je suis pour l'arrêt. Donc, l'intitulé de l'émission, c'est oui, non, pour ou contre la révision. Je pense que ma réponse sera pour la révision constitutionnelle. Et je vais faire parler les archives, je vais faire parler les témoins et tout le monde. Moïse Katumbi a eu si Félix Tshisekedi sur cette question à l'objet. Moïse Tshisekedi qui a eu vie après la présidence. On ne changera, il ne touche pas, pour quelque raison que ce soit, à la révision de la Constitution. Mais quand vous remarquez cette histoire, Constitution, les besoins comme de l'Aïno, on attend plutôt.
constitution ana et pekri si kozalana nationalité mosusu débat ezalaki awa. Non, oui pour la révision de la non, oui pour la double nationalité. Donc il faut, et ça c'était soutenu par même les partis ensemble avec ces militants, on ne peut pas priver tout un pays comme ça et à la nationalité. Nous avons compris que on veut y aller, on veut arriver là. Mais oui, on peut donner une double nationalité. J'ai des éléments, je n'ai pas le temps de vous les mettre. On peut accepter la double nationalité, mais on ne touche pas à la Constitution. Ça va se passer par quelle magie? Ça va se passer par quelle magie? Et puis, bon, mais ce qui, je pense qu'il sera toujours écarté, puisque quand nous nous proposons, moi je propose que, oui, à la double nationalité, mais pas aux 9 pays limitrophes. Donc, ni du côté Zambie, il ne se retrouve pas. Ni du côté Burundi, il ne se retrouve pas. Côté à Mama Karine. Alors, est-ce que les débats encore pour la révision de la Constitution pour donner de la double nationalité et Rosalato et Rosalate, chacun voit ses intérêts. Mais moi, mes intérêts, la révision de la Constitution, Constitution Oyo, Banyata Yango, toutes les dispositions bloquées. Vous savez que la Constitution dit, l'article 222, qu'on ne peut pas changer la Constitution et le président a 2 mandats, donc un mandat, une fois renouvelable, et même, je pense, dans le paragraphe Bokwana, ils ont le bac élection, ils ont 2 tours. Même article 4, tout le monde l'élection de tout Moïse Katumbi n'a pouvoir. Je pense bien. Il était encore là. Non, il avait déjà quitté. Ouais. À Salomon. Et donc, ce qui n'a pas été non, n'a pas été à disposition, aux constitutions, ni à taba viola, ce qui est à la constitution ici, est à Moutou. Mais docteur, mon père Gazana Moussalati, il est là. Alors qu'on reconnaît aussi sa réparation. Donc, moi je pense que la Constitution, papa, Bozala Atana a intérêt à venir de gauche à droite. Je pense que la Constitution, il faut Ezala. Et puis quand Lélo, tout le monde s'accroche à la révision de la Constitution, nous oublions que le monde regarde, puisque le Congo n'a jamais. Donc, ces gens-là, ils n'ont jamais accepté de voir quelqu'un de dur, intétu au pouvoir. Mouzé nous a dit, Museveni a dit, le Congo est grand, Kabila est têtu, il ne cède pas facilement. Tout ce monde là, il a dit, il a dit, il a dit, deuxième mandat, ce serait bien le cas, puisqu'il est têtu, il ne nous facilite pas les marchés. Allons. Et déjà, ils sont en train de préparer quelqu'un. Djuru Tshisekedi Akolobabon, allez-y, élection Bokende, Nganakei. Ils sont dans des laboratoires, boutou. Ils vont nous chercher quelqu'un. Moi, je vous amène la paix. Moi, je veux ceci. Et finalement, Baropé Sabiso Mutumoko, Oyo Akoto Sakagame. Kagame qui ne veut pas quitter la RDC. Qui veut faire de la RDC. Donc, Racha Yango n'approche naï, comme il l'a fait depuis 18 ans. Tozo, Tlabino Kaka, nous vous observons. Ngaï place na Rosala, Moutoumo na Ngaï, mais Narubimisaka ba missile. Et puis, je vais en tout cas vous montrer que nous n'avons pas besoin de mettre quelqu'un au Yakola Rosala, non. Kagame, tu vois ce que tu as fait avec Tshisekedi, pourquoi il est resté dur? C'est parce que ça. Si tu me donnes ça. Et puis, bah, ils vont tout lui proposer. Non, ils allons pouvoir. Nous allons te sécuriser. Tu vas aussi changer le mandat. Comme moi, quand même, je l'ai fait chez moi. Personne ne me bouge. Non. Moi, je dis, on n'a pas ces calculs-là maintenant. Et on connaît déjà comment vous avez commencé déjà des réunions. Alors, vous avez suivi l'Église catholique dernièrement. C'est la rabbino image.
Mais qu'est-ce que l'Église catholique? Quel candidat l'Église catholique peut nous amener? Quel candidat? D'abord lui-même, ou elle-même l'Église catholique, a loué Kagame, un bon président, un leader. Alors que le sang que Kagame coule, il y a un citoyen, il y a un citoyen à Congo chaque jour, vous le prenez pour un modèle. Donc, moi j'ai dit, trouvez-moi quelle église va nous proposer un candidat. Pendant que Bazan a Kigali, Boutouni, Rwanda a joué dans n'importe quel pays. J'étais en Belgique alors qu'il n'était pas en Belgique. On n'a plus ce temps-là. Et qu'aux alatés, nous devons réfléchir 1 million de fois avant de céder pour voir Moutoutou. Azala, soit Tshisekedi lui-même qui peut toujours tenir tête, soit, parce que Ndenga Bazo Fingana, criminel de son état, un sanguinaire. Il faut montoyer à l'obana Kagame Ndengwana. Kagame, on ne lui a jamais dit ça depuis 18 ans. Papa Kabila l'a dit. Mais après Papa Kabila, Kagame était un petit roi, un petit dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un lui dit en face qu'il faut changer le régime de Kagame. D'abord, avant, c'est qu'il y a long, le régime est changé. Parce que Kagame, dans son plan, c'est de maintenir tous les Hutus, les Banda. Bapoussa n'a pas bien été à Rwanda, à Salata, 100 ans à pouvoir. Mais chaque chose a son temps. Les Hutus aussi se préparent. Aucune pierre ne restera au-dessus de l'autre. Au côté qu'on a pouvoir 100 ans. Les Hutus sont à 80%. Au Rogéré, gère même 50 ans, il n'y a pas de problème. Ils prendront le pouvoir au Rwanda. Ça a noté quelque part. Ils prendront aussi. Mais quand ils prendront le pouvoir, je ne sais pas s'ils vont encore les lâcher dans moins de 10 ans, puisque vous leur montrez l'exemple, non? Yohana Ozola, c'est un bon exemple. Que quand tu prends le pouvoir, tu peux faire 30 ans, d'accord? C'est ton temps, fais-le. Il va garder cette température, cette tension. Il y a qu'au bois, qu'à Baoutou, tout Liban, peut-être 100 ans. Mais je pense que, à Tao, en Égypte, pendant plus de combien d'années? Par Kota, Bazonga, Bazonga. Moi, je demande aux Hutus, organisez-vous. Vous avez le soutien de la RDC. Si vous prenez le pouvoir et vous dites RDC dans Rwanda, tout bon, manipéming, il n'y a pas de population à Rwanda pour rien. Tout la Kimia, restez avec votre pays. Nous aussi, nous restons avec notre petit pays. Je pense que c'est ça ce que nous attendons des Hutus. Et on y arrivera. Je ne pense pas que le pouvoir restera au Rwanda éternellement. Non, non, non. Je ne pense pas. Il y a toujours un jour, à Tabarou Bazombo Tamalelo, qui vont réclamer aussi Badirijembo. Et peut-être que ça sera une prise sans reprise. Ah oui, hein? Oh, Biro Bossali 50 ans. Bango Bazoa, vous voyez qu'on a dit que non, jamais réviser la Constitution. Constitution en Abarou. Alors, donc, ça c'est une chose. Troisième chose pour terminer. Batouni Moïse Katoumi concernant l'aéroport Naï. Alors, je dois aller leur dire que je dois terminer cet aéroport-là. Alors, Nganalobi, ah, c'est grave. Ça montre que, moi, j'ai posé la question ici. Est-ce que ceux qui peuvent vous en pouvoir, vous allez aussi respecter, demander à la population de respecter Mibeko Yamboka? Puisque les textes sont là. Vous avez des juristes, vous avez des conseils, vous avez des avocats. Ne vous ont-ils pas dit que, chef, pour faire ce genre de travaux de grande envergure comme ça, à repos, on a quand même un peu de pété, il faut qu'on soit d'abord dans la procédure. Attends, il n'y a pas pour nous construire. C'est une autorisation à bâtir, non? Ndakou, il y a 4 murs seulement. Alors, vous vous rappelez Ndenge Moïse Katumbi à Salana Basoda Oui. Basoda, Chabango, autour de lui. Baebisi Bango, Moutoukaye Kotate, Ebimate. Moïse Katumbi aya. Moïse Katumbi arrive. Baebisi Ekeno. On nous a donné l'ordre de Yako Lekate.
à Bwakisa Bango, on a vu, waouh. Je peux vous partager ça. Botala, vous vous rappelez de ces jours ici? Nous avons reçu l'ordre de ne pas. Botala na souk andenga sala a sala ba militaire. Bana bat bazola na zamwana, balobiawa, balobi kolegate. Na malembe soki oza mokonzi. Okobalolati. Obaluki baluli mutukana oki. Non. Ameka conseil justifié a démarré à Salibo. A Salibo ngbo. Bolonga na bazoba kotu bazoba moko. Et bana bato bazola na nazamba oyo. Bah, je ne pense pas que Baza Bazoba. C'était ça. Botala, j'ai senti na souka. O balobi bon. Zelaka katobenga ta kobenga. Na batu na biso. O batye biso ao. Que. Botala, j'ai senti ça là-bas. Un moment, na tocha son. Peut-être Botala. Peut-être ça peut vous donner une idée. Que... Allez, pour le moment, on a dit. Et là, c'est tombé là. Après, c'est une organisation. Alors, à Kenda, je pense que ce qui va y aller, les Alakiwana, mais à Kébouka barrière. Alors, c'est quoi, ce qu'on a dit que Bolongo Kuna. Donc, Naba Oba Tindibino, Naba Oyo, Bazana Sima, je pense que c'est bon que Ngaï Moïse Naiki. Wana il est quand même ton Nima. Mais en ce moment, il est que vous n'avez pas le droit de construire les Lokoya. Mais Batoubasa est belé à Kosunga. Il y a beaucoup de Congolais qui ont besoin de votre assistance. Toi, il est bien au Maman, Oli, donc, mon toisana est là qu'on a beaucoup à Zosunga. Au Zosunga, puisque vous en avez. Maman, Oli, va Sungaka. Maman, Denise, n'y a qu'à voir Sungaka. Nani, mon sous. Maman, Marthe, Kassalo, à Sungaka. Mais il y a eu Sunga, il y a une spécialité, papa. Vous aidez, oui. Mais il faut qu'on tourne. Qu'on aide, qu'on peut s'habiller, qu'on peut tourner à Yote. Kenda, ta et papa, pigme. Qu'on aide, qu'on tourne à ta. Dispensaire ou tout, non, rien du tout. Hôpital, rien. Au salaka, vous donnez. Mais ici, Balobi, aéroport Mobimba, Nengazo drainé, Bazo Changonin, et ça, aéroport Eko qui t'attend, c'est à Mobimba. Balobi, ça, il faut avoir l'autorisation. Balobi, dites-lui, je vais terminer cet aéroport-là. Alors, si vous n'avez pas Kwango, Nambo Kango. Alors. Chers amis, ce sont des choses qui, l'objet Moïse Katoum sera joué pour voir dans beaucoup. Bon, enfin, et dans un exemple, dans notre pays, sera joué pour voir dans beaucoup. Un citoyen comme Honoré a épicé à l'hôpital. Bolobi, Nzelawana, Nassala, Nzela, Tepona, Bato, Bazobi, Mamou, Narosala, Nzelawana, Oyazana, Makasi, Aya. Je pense que Moïse Katoum, Yazolouka, exil. Je suis convaincu. Il fallait dire sur cette réponse. Je vais aller voir les autorités. S'il y avait peut-être moi, ma manquement, moko izangaki, je vais me régulariser dans le ça. Bon, voilà. Mais dans l'aérodrome, mais Kolobaka, je dois. Parce que va insister, Balobi. Oh, mais si vous avez besoin de ma autorisation, il y a ça, moi, je dois. Beaucoup de temps à interview en Afrique et dans la Tali Nalobi. Bon, dans ma Sunga. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc, dans la lobby pour un autre numéro. Cette fois-là, tu vas aller plus à Paris, puisque le lobby des procès au Kata va aussi dire ça. Et puis, ce que ici, au Kata, là, peut-être, soit. Nani, l'écrivain Charles Onana, peut-être a raison, naïe, bah, qu'on libérait, yé,
Et puis, peut-être le Rwanda peut avoir des dommages, puisque Charles Onana a l'Iwa et Zobalouka autour de lui. Il a dit beaucoup de menaces, beaucoup de filatures, beaucoup. Donc, Charles Onana, tana, je ne le souhaite pas. Parce que Bazo Landayeti na toilette, l'homme a mobilisé et de l'argent et des hommes pour arrêter avec la vie de Charles Onana. Et Motandingwana, moi j'ai dit ici, hein, en tout cas, on a limité pour blesser Bato. J'ai dit dès lors que Kagame est encore au pouvoir, tu sais que des gens n'essaient pas de reconnaître. Mais le bac est un jour. Et ça, donc, Kosuka y a mon thème. Museveni qui s'est battu pour, aux côtés de Kagame, il est là, à Sali déjà sur 40 ans. Démocratie, oui, bah, oui, la bino, nanana. Bon, il y a un prêtre sur, par prêtre à Ouganda sur TV5 Monde, ou France 24. Bon, il y a un prêtre à Rwanda, bah, oui, le canal média, bon, il y a un prêtre à Burundi, toi, il y a Congo, Brazzaville, sur leur chaîne-là. Et ça, il y a un prêtre, n'habitoire, n'a pas tant à Congo. Bazotin le cabino bofuna, boteka mboka na bino. Oui, oui, oui. Mboka na biso eza ya kokufa. Kutu eze kufa na ngo ete kama. Mais posez-vous la question, nous sommes 54 pays. Allez aussi interviewer ba prêtre à Madagascar, ya Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, tout. Espace eza pona ba prêtre nyonso. Kakao ya biso. Soko ya legi na janvier, mosusu aza na février, mosusu aza na mars, mosusu. Et tout ça, c'est bien planifié dans les médias. Beaucoup de bâtis, beaucoup de bâtis. Bissonne, tous les bâtis, quatre tout le monde. Moi, je pense que dès lors que cet homme est encore là, il se frotte les mains. Qui, par où viendra quelqu'un qui va faire partir de cet homme? Adam, il sera aucun d'être. Kagame, toi, tu pars à, jusqu'en 2034. Oyo, date, il y a départ, il y a une année, il y a banité. Bitou, mais il y a un parlement, il y a Kagamouta, long à Kayang. Congo Brazzaville, ça fait plus de 40 ans. Basongiyo ya Centrafrique et c'est comme menace na biso et donc comment ébélé, Basongiyo va faire le référendum, il est là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter. Attends vous-même. Non, on va se précipiter pour changer les présidents pour donc tu vas ici vraiment makambo bien. Il est en bonne relation avec tout le monde, à cause de la bango confiance que le Congo sera stable. Et que dans qui même ça les mabété. Parce que la Congo m'a bêté. N'a qu'un en paix. Non, pas question. Pas question. Je pense que moi, je vous donne déjà mon avis. Je sais que ça peut blesser les gens. Si c'est que Yazan a été coquillé. Vous mettez la main pour dire aussi ça. Si c'est que Yazan a. Si tu es convaincu avec moi, Fatia Zana, mettez la main dans mon arrêt. Comme ça, aussi, ça. Émission à vie. Je vous aime bien. Et je vous retrouve, je suis en a aussi, c'est bon. Mais tu sais qu'il y a un homme. Pour l'entourage de la mission, on peut servir sur les sons. Je ne vois pas où tu sais qu'il partira pour les sons. Donc, les oiseaux, quand il y a Kabila, c'est lui qui va faire la remise de reprise avec tu sais qu'il. Oh. Mais Kabila, l'FCST, quartier général, n'a pas eu qui gagne. Kigali nous. Non. C'est ce que des ananas. Je passe bien. C'est ce que des ananas. C'est un point de vue d'un citoyen congolais. Chers amis, quand je dis citoyen congolais, c'est les citoyens congolais. Naturellement, vous changez de nationalité. Je vous l'ai dit. Sinon, je ne serais pas retenu député de Kinshasa. Donc, quand je parle de cette histoire, j'en parle puisque je suis congolais. Les souches. Je suis congolais. Et je vous accuse d'avoir soutenu le Rwanda. Donc, alors, donc voilà. Fatia Zanano, merci. Merci beaucoup. Là, vous êtes d'accord avec moi. Aska Today va accompagner ce processus. Il y a modification de la constitution à tous les niveaux. Na 5 heures, na 4 heures, à tous les niveaux. Donc, ça, là, au plateau spécial.
na kiti na Kinshasa na Kevanda na na Tsalimisisa na rotambula quartier par quartier ma bénion ce malédiction tout ba côté na 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 constitution il faut ba congolais ba. Je me rappelle heureusement que j'étais parmi ceux qui ont dit, qui ont poussé la population à dire non à cette constitution en 2006, en 2005. Je me rappelle tous ceux qui n'avaient pas sur Blaise, il y a Samo Malamu, tous ceux qui n'avaient pas Maïs Tchibango ici, tous ceux qui n'avaient pas Nani Moussous, tous ceux qui n'avaient pas Marc Longhi, il y a Canal Kin, que je salue aussi en passant. Donc, on avait fait un bloc que constitution est l'écarté. On savait pourquoi. C'est Francis Kalombo ici qui jetait de l'argent dans les médias tout. Francis Kalombo solution. Bon, dit ma constitution, Kabila tout, Kabila est ceci, Kabila est ceci. Les lobos, ah non. On te l'a monté à garder dans la position de Yazala Kinango en 2006. Donc, je pense que ça va être très bien. Merci beaucoup. À demain. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Et je vous demande de protéger la RDC contre tous les ennemis. Protégeons le président de la République. Protégeons cette émission. Et protégeons les présentateurs de l'émission. Je vous retrouve demain, toujours à 21h, juste heure de Kinshasa, pour avoir tous les détails sur le procès Charles Onana. Et les Kiwana Bissot et Tofun du Rwanda. On sait qu'il y a des cas. Malgré Mbon au Rwanda mobilisé, malgré. Corruption, malgré tout ce qu'il y a mal. Je pense que Charles Onana en sortira sain et sauf. Je vous aime bien. Alors, à demain. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Alors, à demain. Bye. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este, Bobatelama, Bobatelama. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises? Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel? Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonome et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalalé à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité.
biso okuye ba moto na misala na ye ba ye ba kanze te na mbuma na ngo tele malelo we moto atonda maloba malamu talande esika zo mema yo kufa to bomo Ebale ya Congo Ejali lo pangote Kache jali sendela Yawe, yawe, benisa Congo Yawe, yawe, batela ni Congo Yawe, yawe, benisa Congo Yawe yawe batela ni Congo Bana Congo tola mukana nuna pongi totala ndenge toko kikobongi samboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba baswahili bapende na bateke balarina bamoshi toali bana Congo toyokana Tola mukana nuna pongi totala ndenge toko kikolinga na koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo, Equateur mambenga, lenyarina lepu, la bwenda na likwilu, langwe koki, tolinga nae Kongo mboka monene, kolongwa lumu mashiti na pointe noire Etonda bomengo na batwa mayele, elingi etumbate Oye tumba ebenga na takimia ebo makabondeko eteki ekolo oina ni bobo bani ebo kabwani Yawe yawe benisa Congo Yawe yawe batela ni Congo Yawe yawe benisa Congo Bana Congo
tolo.